On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale astuce pour coudre des tissus fins ou les bords délicats qui se coincent une fois sur deux dans le système d'entraînement de la machine. Vous voyez de quoi je parle? J'utilise moi du papier calque, mais du papier normal fonctionne aussi bien, ou du papier journal, pourquoi pas. Regardez plutôt en image. J'utilise ici un point stretch sur ma machine, donc ici c'est le point numéro 2 parce que je couds du bord côte. Donc voilà tous les réglages. Je peux maintenant passer à la couture. Voici le moment le plus délicat de la couture, c'est le départ. Aïe, mon fil se casse. Pas de chance, je dois recommencer. Donc voyons maintenant. Voilà, deux points pour... Et c'est parti. Donc deux points pour fixer, bien entendu. Hop, c'est parti. Alors là, excusez-moi, mais avec ma main, c'est un peu délicat. Il faut que je reprenne derrière. Je fais attention de que les épingles ne se prennent pas. Faut y aller doucement pour pas que l'aiguille se casse sur l'aiguille. Voilà, j'ai presque terminé. Alors là, je vais remettre mon bord côte parce qu'il est mal positionné. Voilà, excusez-moi pour l'interruption. Et voilà, il est terminé. Alors vous voyez, donc le papier est accroché, je vais maintenant l'enlever, délicatement bien sûr. Hop, ça s'en va tout seul. Hop, voilà, finition parfaite. J'ai plus qu'à enlever les petits fils de chaque côté avec un ciseau et c'est bon. Sinon à chaque fois, moi ça se prenait dans le système d'entraînement. Qu'en pensez-vous? Avez-vous cette même astuce ou en avez-vous d'autres? Merci de partager. À très vite.